Merci à la Faculté d'architecture Lacan-Porta de nous accueillir et merci à Benjamin Zurstrassen d'être à l'origine de cette recherche. Qui dit maison du peuple pense à la couleur rouge, couleur du socialisme. Et l'histoire commence en effet lorsque, dans l'urgence de vouloir informer les étudiants du laboratoire Alice, M. Zurstrassen m'a demandé d'étudier deux colonnes en fonte de la maison du peuple se trouvant au musée Horta, pour voir si elles avaient pu être rouges à l'origine. La plupart des ferronneries se trouvant aujourd'hui dans les différentes collections ont été sablées et repeintes. Il est exceptionnel de trouver la succession de décennies de couches de peinture sur un élément de l'édifice. Il est rare par ailleurs de trouver encore des vestiges des 600 tonnes d'acier utilisées, mais ça, c'est une autre longue histoire. L'étude de la polychromie nous fait voir que la fonte était couverte de minium de plomb pour préserver le métal, suivie de deux couches de brun rouge comme première couleur. D'autres colonnes de la cage d'escalier se trouvent dans les collections de la commune de Saint-Gilles et l'étude d'une d'entre elles nous fait voir un brun rouge un peu différent. Les photos d'archives sont difficiles à interpréter, mais c'est comme si la teinte des colonnes s'atténuait en montant. Comme si les colonnes du haut de la cage d'escalier étaient plus claires que les colonnes du bas. C'est un truc en peinture qui donne plus d'assises au bas et élève le haut. Horta aurait-il travaillé en dégradé? Et peut-on par ailleurs parler de ferronnerie rouge? Dans la littérature pour les peintres en bâtiment de l'époque se trouvent classés parmi les rouges à base de fer, les terres et les ocres et les oxydes, un rouge à base de sulfure de mercure, le vermillon, un rouge à base de plomb, l'universel minium de plomb qui est une couleur orangée plutôt que rouge, et la laque carminée employée généralement par glacis sur d'autres rouges. Elle a le défaut d'être fugace, nous n'en trouvons donc plus beaucoup. C'est à ce moment que l'étude a pris une autre ampleur. Nous pouvions trouver plus. Entremêler les sources et exploiter les archives encore peu explorées. Elles nous en diraient davantage sur les couleurs et pourraient aider à la réalisation des images virtuelles. Étonnamment, à part l'idée de couleur rouge, personne ne semble encore avoir mené de véritables études chromatiques. C'est avant tout la construction et la perte de la maison du peuple qui ont fait couler l'encre. Les archives du Parti ouvrier belge, saisies par les forces d'occupation allemandes, transférées à Moscou après la capitulation du régime nazi, nous sont revenues en 2002 et comprennent des photos datées, ce qui est précieux, comme les funérailles de Joseph Wauters le 3 juillet 1929 et la fête du 1er mai en 1939. Nous voyons par exemple qu'entre ces deux dates, la façade a été peinte en couleur crème. La Bibliothèque royale de Belgique conserve tous les journaux depuis sa création en 1837. Les journaux jusqu'en 1918 sont numérisés et consultables en ligne. L'IRPA a une photothèque du patrimoine artistique des mieux fournis, base de données consultable en ligne également. Et puis évidemment, il y a les archives du musée Horta. À travers tout le pays se trouvent des fragments de ferronnerie sauvés lors de la démolition grâce aux architectes de la Société Centrale d'Architecture de Belgique. Il s'agit bien sûr des ferronneries qui n'ont pas été volées et revendues par la suite par tonnes à des ferrailleurs. Les fermes de la salle des fêtes ont par exemple été restaurées par Van de Kerkhove avant d'être exposées à Flanders Technology pour ensuite être intégrées dans la salle du Grand Café Horta à Anvers. Une console du balcon est dans les collections du SIVA, une autre dans le jardin du musée Horta. La porte d'entrée est filmée par Gelfus à Tervuren, photographiée dans le terrain vague de Jette et a été entreposée sur le terrain du port à Gand avant d'être restaurée également. Dans les dépôts des collections, il a fallu identifier les éléments comme provenant de la maison du peuple et les étudier un à un. Mais d'où vient donc cette indication de couleur rouge? Qui témoigne de peinture rouge à la maison du peuple avant qu'elle n'ait été repeinte dans d'autres tons? L'origine pourrait être due à Jacques Gueux, collaborateur au journal Le Peuple, qui écrira à l'occasion de l'inauguration:
les fermes de la salle des fêtes, simplement peintes en rouge vif sur le fond crème des murs. Et dans l'édition spéciale, d'une tonalité charmante où le blanc et le rouge se marient de la façon la plus heureuse. Puisque nous souhaitons voir cette information confirmée par d'autres sources, vérifions les photos d'archives en commençant par une visite lexicale des lieux. Les fermes sont les éléments d'ossature de la charpente métallique. Elles portent la couverture de toile et sont incurvées au centre pour des raisons acoustiques. La basson ou la galerie corniche correspond à la galerie supérieure servant aux techniques, mais elle avait aussi une fonction acoustique. La galerie ou le balcon ceinturait la salle et avait des garde-corps en ferronnerie auxquels étaient fixés des sièges. Le long des murs se trouvaient des strapontins et puis il y avait le parterre avec ses rangées de sièges repliables. Voici une photo issue de la série la plus célèbre de la salle des fêtes. Située tout en haut du bâtiment et appelée la cathédrale, elle pouvait accueillir 3000 personnes et comptait 1700 places assises. À titre de comparaison, la capacité de la Monnaie, qui était la salle de référence de l'époque, est de 1152 places, et la salle Henri Leboeuf à Beaux-Arts, dessinée par Hortin, inaugurée en 1929, compte 2100 places. La salle servait aux réunions politiques, mais aussi aux distractions musicales et théâtrales. La photo est éditée en 1900 dans Neubauten in Brüssel. Pour vérifier si les fermes étaient rouges, transposons les valeurs de gris telles qu'elles étaient rendues en 1900. À droite en haut, vous avez les couleurs du spectre visible. Juste en dessous, la sensibilité de l'œil humain. Ensuite, l'émulsion photographique ordinaire de l'époque, avant tout sensible aux radiations du bleu et des UV, c'est-à-dire aux fortes énergies du spectre, c'est-à-dire aux fortes énergies physiques du spectre visible. Le bleu surexposera facilement et deviendra donc un blanc ou un gris clair, alors qu'un jaune, à nos yeux très brillant, se traduira par un gris foncé. Les photos présentent donc d'autres contrastes que notre vision, et il peut y avoir une inversion de valeur de gris. Il faut en tenir compte lors d'études à partir de documents anciens. Vers la fin du XIXe siècle, le progrès a fait intervenir ensuite des colorants sensibilisateurs dans les émissions, et on mettra également des filtres colorés près de l'objectif afin de favoriser le rendu convenable de certaines teintes. On obtiendra des images orthochromatiques. Les jaunes seront améliorés, mais les oranges et les rouges resteront toujours dans des valeurs proches du noir. Dans le bas, vous voyez les valeurs de gris sur une émulsion panchromatique, celle à laquelle nous sommes habitués et qui a une sensibilité chromatique proche de celle de l'œil. Si les fermes avaient été rouges, elles apparaîtraient très foncées sur le cliché. C'est correct. Mais si nous regardons mieux cette photo, pourtant retouchée avec art, nous découvrons des taches d'infiltration sur le plafond et des murs qui ne sont pas encore peints. Nous voyons les lustres à trois branches sous la galerie avec des griffes qui n'ont pas encore leur abat-jour. Les photos ont pourtant été publiées en 1900. L'année après celle de l'inauguration, et l'article dans Le Peuple date du 5 avril. La situation bascule lorsqu'on se demande plutôt quand ont été prises ces photos et quand a été préparé l'article. Les archives du musée Horta attestent que Ernst Wasmuth a des échanges à propos des 6 photos en août 1898, 8 mois avant l'inauguration. Et le journaliste visite la maison du peuple 2 mois avant l'inauguration. Or, nous savons que les peintres passent en dernier lieu sur les chantiers du bâtiment, et le journal Le Petit Bleu du matin nous rapporte qu'ils ont peint jusqu'à la dernière minute. Pour trouver les photos du bâtiment telles qu'il aurait dû être à l'inauguration, il faut trouver celles prises après l'inauguration et avant que le bâtiment ne soit transformé et repeint déjà en 1911 par Richard Pringle. Il
Il faut rassembler toutes les photos que nous avons et les classer par ordre chronologique, par ordre d'évolution des peintures. Les murs et plafonds tachés avant d'être peints. Vous voyez une vue à partir de la salle et une vue à partir de la Seine, avec la présence déjà des girandoles et le rabat-jour à l'avant de la salle. L'apparition des abat-jours sous la galerie et la peinture des fermes dans un ton plus clair, moins rouge, moins lucal. Et puis les fermes plus pâles, mais avec un changement de lampe suspendue. Les globes en forme de boule sont remplacés et l'éclairage sous les galeries n'a plus qu'une ampoule unique avec un nouvel abat-jour. L'atelier Horta tenait un registre contenant la décalque de sa correspondance. Le musée Horta conserve celle de février 1897 à mars 1899. Sur 1000 pages, entre les copies de lettres parfois trop pâles, trop floues, tachées d'eau et aux écritures indéchiffrables, nous avons trouvé quelques informations primordiales, dont cette lettre au peintre M. Tegelbeckers. Je vous informe que le ton à employer pour les fers du café de la nouvelle maison du peuple est le rouge clair et ton gris-bleu pour les fers de la salle des fêtes et le magasin d'aunage. Deux jours plus tard, l'échantillon du gris-bleu peut être repris à mon bureau demain matin. Le ton est bon. Revenons à la salle des fêtes. L'équipe du ferronnier d'art Hiesberg n'a pas terminé le montage des garde-corps de la galerie et les fermes de la salle sont déjà foncées. Mon hypothèse est donc que c'est le minium de plomb orange appliqué généralement en atelier que nous voyons sur la plupart des photos d'archives, couleur dont parle le journal et photographiée avant l'ouverture. Nous voyons ce minium orange sur les parties non repeintes des fers lors de la démolition. La situation de référence est celle avec les globes suspendus d'origine et l'arrivée des abat-jours sous les galeries. Les fers ne sont pas rouges et le journal Le Peuple ne relèvera plus leur présence. Trois mois après l'ouverture, un critique de théâtre décrit l'absolue simplicité que décore uniquement la diaprure des foules aux robustes visages sanguins, aux vêtements endimanchés de couleurs violentes et heureusement uniformisés par l'éclat des globes électriques. Pour les autres ferronneries de la salle des fêtes, qui sont le garde-corps de la Basson, le garde-corps de la galerie, image du centre, et les sièges de cette même galerie, photo en bas, nous avions des éléments permettant une étude stratigraphique. L'étude de Marianne de Crolly, les coupes de l'IRPA et mes études mènent à la même conclusion, ces ferronneries étaient ocre jaune pâle. Les planchers étaient en sapin rouge du nord et les sièges en chêne avec une assise en bois contreplaqué perforé. L'admirable menuiserie du local était l'œuvre de l'atelier coopératif des menuiseries de Bruxelles qui occupa une quarantaine d'ouvriers pendant un an et demi. La grande salle du café sera détaillée ce soir par Denis de Rec et Jean Trottet. Je ne développerai donc pas mes recherches, mais tenais à vous montrer les photos colorisées qui ont connu un grand succès à la fin du XIXe siècle. Les couleurs sont approximatives. L'idée était de rendre les images plus réalistes, plus que de rendre la réalité. Il teignait les tirages par aplats transparents, sans couvrir et sans peindre les détails photographiques, car trop de peinture les cacherait. Notons par ailleurs l'importance d'une source d'information que sont les catalogues commerciaux, grâce auxquels les chaises et les banquettes du café de la salle Matteotti ont pu être identifiées comme provenant de l'usine de meubles Carton Herman à Hâte. À l'époque, environ 800 ouvriers spécialisés étaient actifs dans les usines mécanisées de meubles et de chaises dans cette région prolifique. Les chaises et le grand porte-manteau étaient en hêtre massif cintré à la vapeur. Le hêtre naturellement blanchâtre convient pour les teintes un peu foncées. Au café, il était teinté et verni. Les carrelages provenaient de chez Bock Frères, qui avait son dépôt à Bruxelles. On peut identifier facilement les carreaux biseautés couleur ivoire. Mais aussi le dôme en briques de verre rouge, briques soufflées créées par Gustave Falconier, brevet suisse de 1888, et fabriqué ensuite par Blanpain maçonné à Bruxelles.
Le vaste dôme aurait été éclairé de l'intérieur à l'électricité les jours de fête, et il aurait été aperçu de tous les coins de la ville, mais Horta a malheureusement dû renoncer à ce projet. Observons alors les vitrages dans les impostes à petits bois. Le fond blanc des stores nous fait voir des vitres foncées. Rappelons-nous les notions de sensitométrie pratiquées dans la salle des fêtes. Il s'agit ici donc possiblement de verres dans une gamme située entre le jaune, l'orange et le rouge. D'autres photos nous font voir des bandes de ce même verre cathédrale artisanale dans le bas de certains vitrages. Ce verre existait dans toutes les couleurs. Le journal Le Peuple parle de la gaieté de nombreux vitrages, tandis qu'une affiche de 1907 nous fait voir la maison illuminée de l'intérieur. L'illustrateur distingue la lumière à travers les vitres, soit jaune, soit orange-rouge pour le verre cathédral. Les photos de la démolition nous font voir des couleurs ambrées, rouges et même violacées. La tonalité est changeante. Ces nuances de couleur de vert sont bien plus rares que les jaunes, mais en voici en façade rue de la Jonction à Saint-Gilles. La façade a connu évidemment son lot de cartes postales colorisées. Pour les petites quantités, les cartes étaient colorisées à la main, parfois à l'aide de pochoirs. Cette perspective sur le bâtiment n'a plus existé par la suite parce que la trouée à front de la rue des Pigeons a rapidement été construite. On voit les grilles des garde-corps en jaune, c'est une fantaisie qui ne nous donne aucune piste sur les couleurs d'origine. Et ceux qui se sont penchés plus récemment sur la façade, D'Artevelle en 1996, Vague et Squeten en 2006, l'ont tous imaginé de briques rouges avec des ferronneries rouges. Qu'en est-il des briques? Des nombreuses photos de la façade nous montrent la brique avec un rejointoyage clair apparent, mais la façade n'est pas terminée. Le 5 avril 1899, le quotidien Le Peuple nous parle d'une décoration sobre et dit aussi que le joli ton de la brique naturelle de Baume a été malheureusement gâté par un affreux badigeonnage rouge. On dirait de la fausse brique maintenant. Le 6 avril 1930, la Gazette regrettera le nouveau ton crème qui couvre le rouge. Elle était jadis et uniformément du plus beau rouge qui soit, à présent, fini le rouge. La pierre bleue du soubassement montait jusqu'au couronnement sous forme de bandeau gris bleuté. Le badigeon rouge supprime la vue des joints et permet d'accentuer la bichromie des pilastres de la façade. Effet qu'on retrouve dans toute l'œuvre d'Horta. Je me permets de vous montrer sur la photo de droite qu'on voit les deux peintres en train de peindre, c'est extrait d'une carte postale, en train de peindre la façade. Je trouve ça assez amusant. Qu'en est-il? Mais alors les ferronneries. Trois éléments du balcon ont pu être étudiés. Les deux premiers en 2005 pour le SIVA par Marianne de Croly. Le troisième se trouve à Saint-Gilles. L'observation directe avec les sondages stratigraphiques, complétés par des microphotographies de coupe sous lumière normale et sous UV, et par l'analyse au microscope électronique, nous aide à choisir la couche originale, mais on peut toujours se tromper. Heureusement, les conclusions des études se rejoignent pour dire que les ferronneries étaient ocre-brunes d'une tonalité proche des ferronneries étudiées sur les colonnes à l'intérieur. Ce sont ici seulement une partie des recherches menées sur seulement un mois de travail. Nous pouvons néanmoins déjà conclure que c'est l'ocre brun rouge ou le rouge oxyde de fer qui est omniprésent comme fil conducteur chromatique dans l'évocation du Parti ouvrier. Nous pensons que si des éléments rouges vifs devaient être présents, le parcours ne devait en être ponctué que de quelques taches. Horta n'aimait en effet pas tromper les visiteurs face aux matériaux. La maison du peuple était avant tout un énorme projet social. C'était une maison du peuple pour le peuple, où prévalait l'objectif alimentaire et festif.
C'était à la fois, comme le dit Louis Bertrand, une œuvre économique commerciale et une œuvre politique sociale d'émancipation populaire. Les coopératives socialistes en étaient propriétaires, ce sont elles qui l'ont fait ériger et ce sont elles qui ont été responsables de sa destruction. Dans les années 60, le modèle ne convenait malheureusement plus, mais Horta avait réussi le pari d'une décoration sociopolitique simple et austère, tout autre que ses réalisations des maisons individuelles et individualistes, comme l'hôtel Solvay, qu'il a construit à la même période. Quel génie! Ce fut un plaisir et une mission passionnante pour moi de travailler à l'identification des couleurs et des matériaux en aide à la reconstitution 3D que nous avons la joie de découvrir ce soir. Merci.